Hey, avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que je stream sur YouTube, mais surtout sur Twitch. N'hésite pas à follow Twitch, le lien est dans la description. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi un Discord, ainsi qu'un TikTok, du coup n'hésite pas à nous rejoindre, et qu'à follow TikTok, si tu veux encore plus de contenu de ma part. Tous les liens sont dans la description. Allez, bon visionnage. Yo les refs, c'est PewerGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, invocation, analyse, ce que vous voulez, sur Eminence in Shadow. Oui, oui, les gars, Eminence in Shadow. Première collab sur le jeu. Ça y est, improbable, les gars. Alors là, je pense que personne ne l'a vu venir. Collab, du coup, Hololive et Eminence in Shadow. Donc, premier perso qui arrive, Momo, Zuzu, Nene. Alors, ma connaissance de Hololive, hein, elle est pas... Voilà quoi, hein, je m'y connais pas, je m'y connais pas à mort, mais du coup voilà, collab pour le coup, et il y a eu des choses, donc on va en parler tout de suite, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça ferait super plaisir, si la vidéo vous plaît, donc du coup c'est parti, let's go, donc l'update, donc bien sûr l'invocation Super Neneshi solo live, je crois hein, que c'est Holo live, hein, si je dis pas de bêtises, elle doit venir de Holo live. Je sais pas si c'est dit. C'est soit Hololive ou soit Love Live, mais je crois que c'était Hololive, hein, si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien vous confirmer ça, mais ils le disent pas, putain, ils sont cons. Et vu que je connais pas trop le perso, je vous cache pas que c'est pas limpide de mon côté. Donc voilà, première collab assez incroyable de Eminence. Donc bah écoutez, let's go. Alors malheureusement, elle a pas trop été respectée, la waifu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc au niveau de l'update, il n'y a rien d'autre, il y a juste des logins, des bonus de co. Il y a le bonus de co pour la saison 2, les gars. Alors c'est pas ouf, honnêtement c'est pas incroyable, comme vous pouvez le voir, hein, 35 trucs d'XP jaune, bon j'en ai plus, mais que 35, c'est de la merde. L'argent, j'en ai à mort. Les pains, pourquoi pas, on va dire. Et ce qui fait le plus mal, c'est qu'il n'y a aucun cristaux. Voilà, pour la saison 2, ça fait chier. Et par contre, 10 tickets réguliers, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, les tickets réguliers. Hein, on souffle un peu. Donc voilà, un bonus de co, franchement, en demi-teinte. Celui-là, par contre, il y a aussi un bonus de co pour la collab. Et je sais pas si je peux le voir, mais il commençait très très bien, ce bonus de co. Peut-être là, non. Peut-être campagne. Ouais, ça doit être ça, voilà. Commencez très bien parce que le premier jour, on a 3000 fantasmes gemmes. Donc c'est plutôt sympa. Il y a l'arme, du coup, de Momo Susu. En complétant toutes les quêtes, apparemment, on peut avoir 100 cristaux. Donc de Momo. Alors, il faut voir si elle est limitée ou pas. J'imagine, à tous les coups, les gars, qu'elle va être... limité, je pense, hein, sinon ça serait très très étonnant. Mais voilà, donc il y a l'émission, y a l'émission de campagne d'ailleurs, hein, que ce soit un petit peu, bon, dans le Tizi, je pense, avec ton personnage, donc 15 fois, de la stamina, du battle royale, de la main quest, il faut lire la main quest, bon, ok, je sais pas s'il va me l'activer tout de suite, faire des quêtes chronicle en hard, donc easy, et se connecter 5 jours, donc voilà, pour le coup, plutôt facile. Plutôt facile, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc du coup, en vrai, c'est surtout les 3000 fantasgènes qui font plaisir. Et surtout, le pool quotidien sur le portail. Voilà, une single quotidienne par jour. Enfin, une single par jour sur le portail de Momo Suzu. Donc, pourquoi pas. C'est sympathique, donc on prend. Et après, je crois que c'est tout, hein, si j'ai pas de bêtises. J'ai pas l'impression de voir de quête ou autre. Ce qui est un peu dommage, quand même, pour une collab. J'avoue que ça aurait mérité une petite story, voilà, un petit quelque chose quoi, mode de jeu, story, ce que tu veux quoi. Oula, oula, je me fais Agla par Akarus, et Koro, mais du coup là, donc voilà, bah, après on reste sur le special event et tout, donc rien de particulier. On va juste voir si le perso est limité ou pas, alors je pense hein, qu'il est limité, sans grande surprise. Voilà, sans grande surprise, le perso limité, logique, j'ai envie de dire, sur Telenor, ça m'aurait hyper étonné, mais voilà, c'est pas le cas. Donc, petit portail, voilà, donc Momo Suzu, qu'est-ce qu'elle vaut concrètement, les gars, c'est parti. Alors déjà, il me semble que le level augmente, si j'ai pas de bêtises, à confirmer, on va confirmer tout de suite.
avant de vous dire une grosse connerie. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à dire d'où vient cette waifu, parce que j'avoue que voilà, je m'y connais pas des masses. Pour moi, je dirais Hololive, mais je suis pas sûr, parce qu'il y a marqué VTubeuse, donc dans la logique, ça devrait être Hololive, j'imagine. Mais voilà, je m'y connais pas du tout en Hololive, hein, je vous cache pas. C'est pas mon délire. Le level augmente pas, ok. Le level augmente pas, bah bonne chose, mais par contre je crois que le rank a augmenté parce que 12 ça me parle pas. Il me semble qu'on était au rank 11, donc à confirmer, mais je sais pas, le rank 12 ça me fait bizarre. Enfin bref, donc du coup c'est parti, donc du coup bah voilà, comme vous pouvez voir la clim. Alors déjà voici Lilu, magnifique, hein. Ça me fait vraiment penser, alors là pour le coup, je sais pas si c'est le même graphisme ou quoi, mais ça me fait énormément penser à Sao Oub. Rappelez-vous, avec la collab Idolmaster, ça ressemble énormément pour le coup. On dirait littéralement le même graphisme. C'est une dinguerie. Donc voilà. Alors je sais pas d'ailleurs si avec cette collab on aura, je sais pas, une alpha, une bêta, Idol, tu vois, ce genre de truc. Je sais pas, en vrai c'est le flou, on n'en sait rien, mais voilà, en tout cas elle est sortie. Donc c'est parti, donc voilà, Ilos O, malheureusement ça c'est une grosse clim. Ilos O, je vous cache pas que c'est vraiment pas ouf. Retrouve l'HP de tous alliés de 100%, de l'attaque. Alors Grand Neko, 6 fois Neko, pour 60 secondes pour la team bleue. D'accord, donc elle heal en fonction de l'attaque, pourquoi pas. Bon, là c'est encore un bonus de heal. Et augmente la défense de 10% pour 10 secondes, donc ça c'est bien. Et après, 10 fois Grand Neko, alors ça il faut voir à quoi ça. Qu'est-ce que ça fait. Mais pourquoi pas. L'augmentation de la défense en SAR, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le stun, ça c'est bien ça. Inflige stun pour 3 secondes 5 fois, donc ça c'est bien. L'attaque de 5% pour 15 secondes en plus, franchement pas mal. Ça, si c'est un ennemi d'élément feu en plus, donc ça c'est cool. Ah pas mal ce petit skill 2 là, le skill 2 stun. Pas mal du tout. L'aspect, bon, l'escalier. D'ailleurs c'est marrant, c'est que c'est une spé attaquante. Ah non, c'est une spécialité au tampon, c'est pas l'aspect. Non, justement, j'allais dire, c'est bizarre. Non, ça c'est le passif spécial. Oh putain, il est énorme. D'accord, quand le total de nombre Neko est plus élevé, je crois, que le nombre d'ennemis et d'alliés, quand il surpasse 100 apparemment, augmente la speed de 50%, d'accord, pour 30 secondes. 30 secondes quand même, c'est énorme. Et augmente les dommages de 50% pour 30 secondes. Oh putain. Et retrouve 15% en fonction de l'attaque. 15% d'HP. Waouh. Alors, quand on atteint du coup apparemment les 100 Neko. Alors, je sais pas comment ça s'obtient. Peut-être en attaquant, juste en faisant du heal sans doute. Mais ça veut dire que du coup, si on arrive à atteindre les 100, et ben le passif, on va défoncer des races. Hein. 50% d'attaque en plus, ça devrait se consentir à mon avis. Du moins je pense, mais en tout cas vraiment pas mal pour le coup. Donc voilà, on va tenter, hein. Parlons un peu du pool, j'imagine qu'il n'y a rien de nouveau. Je pense, à tous les coups, sur le pool malheureusement. Probabilité, oh, je me suis trompé, my bad. Niveau taux de drop 3% toujours, donc ça c'est un peu dommage. S16, d'accord, alors ça c'est... Attends, c'est un peu bizarre. Ah ok, elle est au fond. Elle est au fond du détec. Putain, c'est bizarre ça. Ah non. Ah non, dans la single, elle a pas de taux plus. Ah, elle a pas un meilleur taux que les autres. Putain, dans la single. Oh, ça, c'est la grosse clim. Oh, la clim. Et là, par contre, dans son portail, ouais, elle a un meilleur taux de drop. Ok. Bah, alors là, les gars, bah, ceux qui drop la waifu idol. Franchement, ceux-là qui drop Momozuzu Néné comme ça en single, et ben putain, les gars, énorme chat, hein, parce que. Même pas un taux amélioré, c'est-à-dire que c'est égal aux autres. Putain, bah alors là... Chaud, hein, vraiment, là, pour le coup, il va falloir se la donner, hein. Et 200, forcément, comme d'hab, hein, voilà. Enfin, 20 multi, irréalisable, j'ai envie de dire. Mais bon, donc c'est parti. Alors déjà, on va tenter ça. Oh, j'ai 2 multi. Ok, j'ai 2 multi sur régular. On sait jamais, voilà, régular, si je peux taper, je sais pas, Béatrix, Aurora, une dinguerie, j'en sais rien. Bon, la multi là, plus la chibre, c'est pas grave. Allez, autre multi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, rien du tout. Ok. Ok, bon, la clim. La clim là pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Parce que oui, c'est vrai que avant que j'invoque les gars, parce qu'on va tenter, hein, Momozuzu bien sûr. Hein, c'est vrai que j'ai énormément drop, ça fait plaisir. J'ai droppé le portail Nouvel An. J'ai droppé la Delta, les gars. J'ai réussi. Au bout de la 3ème multi, j'ai eu l'énorme chat pour le coup. Très content.
très très content. Et du coup, voilà, du coup, Delta, je suis en train de l'améliorer. Et du coup, voilà, on va essayer d'avoir Momo. On va voir ça. Hein. On va voir ça. Mais voilà, pour le coup, bah, ça a l'air pas mal. Mais bon, vu que c'est une healeuse, bah, tu te dis putain, chiant quoi. Allez, c'est parti pour un single, les gars. Single gratuite. Inch'Allah. De la luck. Non, j'ai con, en vrai, il y aura rien. Ouais, voilà. Plus la merde. En vrai, on parle d'une single, les gars. Hein. On parle d'une single totalement catastrophique à 3% de chance de dropper. Et encore, hein, 3% de chance, ça, c'est 3% de chance d'avoir un SS, tu vois. Mais de l'avoir, elle, c'est 0,7% de chance. Putain, c'est ridicule. Allez, c'est parti. La multi offert, on va voir. J'ai deux multi, c'est vrai. Ouais, je pourrais claquer la deuxième, mais bon. Allez, c'est parti. On y croit. First multi. Ah. Et bah, c'est pas pour moi, malheureusement. Ouais, ce n'est pas pour moi. Ok, bon. First multi qui pue la merde. Ok. First multi, non luck. Allez, c'est parti. Deuxième multi, les gars. Let's go. Peut-être de la luck. On y croit. On y croit. Ah non. Et non. Et non, et non. Et non, et non. Bon, dommage. Deux multi, ça sera rien. Dommage, dommage. Bah écoute, je pense que c'est mort. Hein, à mon avis. Je pense que c'est mort. Parce que voilà, malheureusement, hormis la multi gratuite, après, il n'y a plus rien, quoi. Malheureusement. C'est le gros problème d'Eminence, quoi. Parce que. Après ça, bah il n'y a rien. Hein. Regardez l'émission, mais l'émission, voilà. Même dans l'émission, je crois qu'il y a zéro cristaux à récup. Donc c'est un peu terrible. C'est un peu terrible. Ouais, voilà, c'est ça. C'est 100. Au final, tu vois, c'est con, c'est qu'il donne 100 cristaux de Momosuzu. Moi, je veux bien, les gars. Moi, je veux bien. Mais si tu la drops pas, ça sert à rien. Ça sert à R. Mais vraiment. Sans les connaître, ça sert à R. C'est dommage. Vraiment, c'est con. C'est con. Voilà, petite clim sur ça. Ça, c'est con, mais bon, voilà. Bon, du coup, on verra bien hein, s'il y a d'autres VTubeuses. Donc, voilà, encore une fois, bah, je vous souhaite la luck, les gars. Bonne chance. Si vous allez tenter, est-ce qu'il faut invoque ou pas? Bah, en vrai, perso limité, elle a l'air pas mal sur le paplard quand même. Peut-être la meilleure healer qu'on ait jamais vue, mais c'est un peu compliqué avec les nénés. Je sais pas si c'est si ça va être banger ou pas. Donc voilà, en vrai, je vous conseillerais d'invoque quand même, malgré tout. Mais après, si vous skippez, bon, c'est pas trop grave, on va dire. Donc voilà, merci à regarder, les gars. J'espère que vous aurez plu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime, le petit commentaire. Ça, c'est super plaisir. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch. On streamera demain, demain soir à 18h si vous voulez. N'hésitez pas. On va react sur LinkLick. Voilà, n'hésitez pas, ce serait super plaisir. Sans description. Discord et Twitch et TikTok, pardon, aussi. N'hésitez pas à follow, ce serait super plaisir. Allez, ciao, bye tout le monde, les gars. Ciao, ciao.